ça. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Merci à tout le monde d'être ici. On est trop, trop heureuse d'avoir ce super panel et vraiment très contente de pouvoir vous présenter cette table ronde qui a été organisée avec la Bibliothèque universitaire cantonale de Lausanne et avec le soutien du Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences. Je vais maintenant passer tout de suite la parole à Clarence Edgar-Rosa, qui est fondatrice et rédactrice en chef de la revue Gaze, dont vous pourrez trouver le dernier numéro en exclusivité à la sortie de la table ronde. Et voilà, bah, profitez bien pour ceux qui sont là, celles qui sont là, et les personnes qui nous suivent en ligne aussi. Voilà, je te donne ça tout de suite. Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment ravie d'être ici ce soir pour animer cette table ronde autour du concept de gaze et de female gaze avec un panel effectivement très riche que je vais vous présenter tout de suite. Juste ici, vous avez Iris Bray qui est une autrice critique ciné franco-américaine qui est autrice notamment du Regard féminin, réédité dernièrement aux éditions Point. Qui est également autrice d'une BD qui s'appelle Sous nos yeux avec l'autrice de BD Murion Mal aux éditions La Ville Brûle et qui défend le female gaze à l'écran comme une véritable révolution culturelle. À ma gauche, vous avez Gertie Damburi qui est dramaturge, metteuse en scène, poétesse française née en Guadeloupe, membre du collectif Décoloniser les Arts, qui vient au festival également pour présenter sa pièce La radio des bonnes nouvelles, qui est une comédie politique qui met en avant des femmes oubliées de l'histoire et en bonne partie des femmes noires. À ma droite, Sam Boursier, qui est sociologue français, prof à l'université Lille 3, activiste queer et transféministe, auteur notamment d'une trilogie qui s'appelle Queer Zone 1, 2, 3, très récemment réédité en un giga bloc assez dense et passionnant. C'est un livre qui est paru entre 2000 et 2011 et réédité là en novembre, qui fait partie des personnes qui ont fait entrer les cultural studies et les études de genre dans le champ universitaire français. Et plus récemment, il est également auteur de Homo Incorporated aux éditions Cambourakis. Un peu plus loin, vous avez ici Charlotte Abramoff, qui est une photographe belge, qui a également travaillé comme réalisatrice, notamment sur les clips de la chanteuse Angèle. Son premier livre est un livre très personnel, il s'appelle Maurice, Tristesse et Rigolade, et retrace la vie et la maladie de son papa. Et son travail, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, s'intéresse beaucoup à la multiplicité des corps, notamment féminins. Et enfin, ça fait un beau line-up, hein. Salomé Kiner, qui est une journaliste française qui vit en Suisse, qui est officie à la rédaction du journal Le Temps, qui est autrice d'un premier roman très remarqué, qui s'appelle Grande Couronne. Un livre écrit à la première personne et qui suit un personnage principal, qui est une adolescente, qui tente par tous les moyens, je dirais, d'échapper à son quotidien et à l'ennui de sa banlieue pavillonnaire. Je vais poser ma première question à Iris. Iris, on commence par toi. Tout le monde est OK pour le tutoiement, hein. On commence par toi parce que ton travail fait partie des raisons pour lesquelles on se pose cette question du gaze et du female gaze aujourd'hui. Dans ton livre Le regard féminin, tu développes le concept de female gaze un petit peu en réponse au travail dans les années 70 d'une critique ciné américaine qui s'appelle Laura Mulvey. À l'époque, elle a développé l'idée que la culture visuelle mainstream nous mettait, nous, spectatrices et spectateurs, dans le regard bien souvent d'un homme hétérosexuel qui regardait les personnages féminins avec un œil lubrique et donc qui nous poussait toutes et tous, sans même qu'on s'en rende compte, à objectifier les femmes et à les considérer, avant d'être des sujets, comme des objets. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous expliquer le postulat de ton livre pour les personnes qui n'ont pas encore lu cet ouvrage? Ça me regarde les fleurs, moi aussi j'ai envie de... je vais faire hyper rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce qui m'a intéressée chez Laura Mulvey dans ce texte qu'elle a écrit, c'est qu'elle voyait vraiment qu'il y avait des codes visuels de mise en scène qui nous indiquaient que certaines femmes étaient désirables. Et en fait, on apprenait à désirer en fait, à travers la domination des corps féminins.
Et moi, ce que j'ai repris le terme de female gaze, enfin de regard féminin, dans la continuité de Mulvey, parce que ce qui m'intéresse au cinéma, c'est la manière dont les corps féminins sont mis en scène. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain corpus de films qui sortait de cette question de prendre du plaisir en regardant une femme comme un objet, et qu'il y avait un corpus de films où on ressentait ce que les personnages féminins traversaient. Et donc, quand je parle de corps féminin, je parle de corps biologique, mais aussi social et collectif. Quand je parle de corps collectif, je reprends ce terme à Geneviève Fraisse, qui est une philosophe, qui explique que c'est pas une addition de corps, mais c'est vraiment un corps collectif qui va s'élever d'une même voix pour dénoncer en fait les attitudes sexistes. Et donc j'ai essayé de créer un corpus comme ça pour essayer de réfléchir à quoi ça pourrait ressembler de désirer en dehors de la domination et en dehors d'un regard voyeuriste. Et de s'intéresser en fait aux expériences du féminin et des féminins, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un mépris autour de tout ce qui était lié à ces expériences-là, et qu'elles étaient trop rarement montrées. Et en tout cas, quand elles étaient montrées, souvent ces films-là avaient disparu de notre histoire, et que ceux qui restaient, bah, c'était genre ceux qui étaient faits par les hommes, quoi, Thelma et Louise et Titanic, mais qu'il y avait eu plein d'autres choses avant, et qu'il n'y avait pas assez d'archives, qu'il n'y avait pas assez de mise en avant. Et évidemment, mon travail, même si aujourd'hui, là, on parle beaucoup de gays et tout, c'est dans la continuité. Il y a eu plein d'universitaires aussi dans les années 90 qui ont travaillé autour de ces sujets. Donc voilà, je suis dans cette lancée-là. Et c'est vrai que je suis franco-américaine, et donc j'ai fait mes études aux États-Unis, où en fait, toutes ces questions autour du genre, de la corporéité, intègre en fait la philosophie et la littérature et le cinéma de manière peut-être plus facile que dans des pays comme la France. Et sauf grâce à Sam Bourcier, que j'ai découvert au moment où je faisais mon doctorat, et qui m'a un peu sauvé la vie aussi. Oh. Waouh. C'est intense. Pour être sûre de bien comprendre, le female gaze tel que tu le conceptualises dans ton livre, c'est pas un regard qui peut être endossé que par une femme. Ça peut être endossé par un réalisateur, une réalisatrice. C'est pas tellement une question de genre que d'intention portée sur les personnages qui sont filmés. Oui. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que quand je regarde ce film, j'arrive à ressentir ce que le personnage féminin traverse ? Et alors, est-ce que tu te souviens, toi, en tant que spectatrice, du premier film ou de la première, peut-être, série dans laquelle tu as vraiment eu le sentiment d'avoir de l'empathie pour le personnage féminin que tu voyais à l'écran ? Et qu'est-ce que ça a créé ? Ouais, c'était une série. J'ai l'impression que c'est le moment où je raconte ma vie. Vas-y, qui s'appelait Océane, que je regardais sur Canal Jimmy, je crois. Donc je suis née en 84 pour vous situer mon âge. Et Océane, c'était vraiment... ce qu'elle faisait, c'était de plonger dans la mer. Et elle découvrait aussi qu'elle avait une petite sœur qui s'appelait Meira. Et c'était vraiment un truc, en fait, hyper puissant pour moi, de voir deux femmes qui n'étaient pas rivales, en fait, qui étaient vraiment sœurs, qui s'aimaient. Et l'expérience, voilà, de vivre sous l'eau, loin du regard des hommes, en fait. Vous voyez, en fait, j'y réfléchis et déjà tout est là. Mais oui, voilà, c'était vraiment ça. C'était qu'il n'y avait pas une question d'identification, même si, bon, évidemment, je jouais à Océane après, quand j'étais dans des piscines, très mal. Mais je veux dire, c'était vraiment ce truc de ressenti de... Ouais, de savoir exister en fait en dehors du regard masculin. Sous l'eau. Mais sous heureusement, l'eau. Ça peut se produire aussi sur la terre ferme. Ouais, c'est plus difficile, mais j'y travaille. Gerti, en préparation de cette table ronde, tu m'as dit, et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement mignon, que tu avais vraiment lu le livre très attentivement d'Iris et que tu étais allée, elle avait listé les films dont elle parlait que tu n'avais pas vus. Mmh. Et que tu étais allée visionner un paquet de choses à la suite de la lecture du livre. Et notamment les films d'Alice Guy. Alors Alice Guy, c'est la première femme réalisatrice de fiction de l'histoire du cinéma. Et c'est des films qui sont incroyablement modernes. J'aimerais bien que tu nous dises ce que ça t'a évoqué. Ouais. Ben, en fait, je suis quelqu'un d'assez rebelle. En règle générale, je ne fais pas ce que font les autres. Donc, quand j'ai entendu parler d'Alice Guy, je me suis dit, ah, oh, ça y est, les femmes ont trouvé un nouveau truc. Après, j'ai dit les femmes blanches. Il faut préciser, parce que je dis toujours les femmes blanches. Et là, je fais, non, je n'irai pas voir ça. Oh, non, ça y est, c'est encore parti sur un autre truc. Et donc, j'ai lu le livre d'Iris et
et à partir de là, je me suis dit, ben attends, la façon dont elle parle, ça me raconte autre chose. C'est pas juste, on a trouvé une femme qui faisait des films, quoi. C'est autre chose. Et là, j'en ai regardé plein. Mais il y en a un qui m'a vraiment scotché, c'est un film qui s'appelle c'est traduit soit la conséquence du féminisme ou les résultats du féminisme. Et alors en fait, je t'ai dit, j'oserais pas le dire, mais je le dis, ça m'a rappelé le thème de la pièce sur laquelle je suis en train de travailler, qui est de dire, le monde a changé et ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir. Et là, dans ce film qui est d'une modernité extraordinaire, on voit les femmes avec les hommes occuper des tâches dites de femmes, et on voit les femmes dans un développement, dans une liberté de leur corps, un peu de temps en temps des postures masculines, ce qui est peut-être pas forcément nécessaire, mais là on parle de films qui ont été faits en 1906, et donc un film fait en 1906 qui dit ça, qui raconte ça et qui montre aussi la violence avec laquelle les hommes essaient de reprendre le pouvoir, hein, parce que elles se font d'ailleurs, la dernière scène est une scène où la femme se fait frapper et donc les hommes chassent toutes les femmes et reprennent le pouvoir. Et donc voir ça aujourd'hui, en me disant, ça a disparu, mais quelle honte, mais quel scandale que cette femme ait existé, qu'elle ait fait tout. On parle de 8000 films, peut-être, je crois, dans ton livre que j'ai vu, entre parenthèses 8000 films, qu'on en a trouvé à peu près 800, une centaine. Pour situer Alice Guy pour celles et ceux qui ne connaissent pas qui est cette personne, donc c'est la première personne qui a compris que le cinéma pouvait être utilisé pour faire de la fiction. Voilà, donc pendant que les frères Lumière filment des trains qui arrivent en gare, elle fait les conséquences du féminisme. Et c'est vrai, c'est hyper important parce que l'idée du genre comme construction sociale, en fait, c'est ça qui a commencé la fiction. Enfin, il faut le comprendre aujourd'hui. Quand elle fait la fée aux choux et que c'est des petits garçons qu'elle sort des choux, c'est déjà parler de quoi ? De comment on construit le féminin et le masculin. Donc, et elle était secrétaire chez Gaumont et elle a dit, moi, je veux faire du cinéma. Ils lui ont dit, ok, si déjà termine ton courrier, tu feras ça après. Elle s'est dit, ok, je le fais après. Et c'est quand même une énorme, c'est une très, très grande cinéaste. Et c'est aussi la première à avoir monté un studio aux États-Unis. Et le studio qu'elle avait a brûlé. Donc on a perdu énormément de ses films. Et déjà, on a perdu sa trace à elle. Et c'est ça qui est vraiment terrible. Parce que quand elle revient en France parce que son mec l'a trompée et qu'elle revient avec ses deux enfants sous le bras, elle n'a pas d'argent. Elle dit « j'aimerais refaire du cinéma ». Et elle ne trouve personne en France qui lui redonne une caméra. Et donc elle meurt seule en étant oubliée. Elle lit que Germaine Dulac est la première femme cinéaste elle est encore là, quoi. Et c'est vraiment terrible. Et en fait, ça montre vraiment l'invisibilisation des femmes artistes. Et ça parle de ça. Et ça parle aussi d'historicité. Et en fait, à quel point on doit toujours être dans un travail de mémoire. Et parce que tout se répète tout le temps. Et c'est le problème du féminisme. Moi, je perds trop de temps, en fait, à chercher mes sources. Parce qu'il y a plein d'autres livres de femmes ou même de chercheurs ou de chercheuses sur ces sujets-là. Et pourquoi est-ce qu'ils m'ont jamais été enseignés ? Et c'est des heures dans des bibliothèques à trouver, en fait, ces archives pour retrouver la trace d'autres femmes qui ont fait le boulot avant moi, quoi. Et je voulais juste rajouter qu'il y a un autre film qui s'appelle « Madame a des envies ». Du point de vue de la femme, on voit ce que c'est. Non, c'est génial. C'est une femme enceinte qui a envie de mettre des objets phalliques dans sa bouche. Donc même ça, par exemple, en 2021, je pense que personne ne le ferait. C'est vraiment génial, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu Killing Eve, une série hyper moderne où la première scène, on voit l'héroïne qui regarde une petite fille et qui pousse sa glace et qui lui prend. En fait, Madame a des envies, c'est déjà ça. Elle voit une petite fille qui a une sucette, elle la regarde, elle lui pique, elle la fout dans sa bouche alors qu'elle est enceinte. Enfin, c'est ça. Et en fait, tout est déjà là, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Mais grâce à toi, j'ai lu d'autres livres, et en particulier le livre de Bell Hooks, dont je pense qu'il faut absolument parler et qu'il faudrait traduire, bien sûr. Lequel ? Qui s'appelle Black Looks. Vous l'avez traduit ? Non, il n'est pas traduit. Et ben voilà. J'aimerais bien, mais il n'est pas. Il faut le traduire. La traduire est longue.
pardon. Qui veut un micro ? Toi, garde-le. Merci. Non, je disais juste la liste, mais enfin, infini de ce qu'on aurait dû traduire, qu'on a demandé à traduire, etc. Et Bellouk, c'est partiellement traduite, mais il y a énormément de choses encore à traduire, notamment sur, effectivement, les politiques de la représentation, tout ce qui est visuel, etc. En général, en France en particulier. Race et représentation, alors en France, alors là, ça va déchaîner les passions. Mais c'est très vrai ce que tu dis, Iris, sur le fait qu'on perd énormément de temps en tant qu'autrice, en tant qu'artiste, en tant que chercheur, chercheuse, à finalement recollecter des infos, des œuvres qui sont déjà présentes, un temps infini qu'on pourrait passer à créer de la valeur, créer de la pensée, créer de l'art. Et en effet, à cause de ce manque d'archives, de l'effacement des artistes femmes, nous perdons un temps faramineux. Gerti, tu as aussi vu à la suite de la lecture du livre d'Iris un film que tu n'avais pas voulu voir à sa sortie, que tu as regardé depuis, qui est Bande de filles. Un film, je t'en parle parce que à sa sortie, justement, il a vraiment mis en lumière à quel point on manquait vraiment de représentation de personnages noirs et en particulier de filles noires dans des premiers rôles. Et je voudrais savoir ce que tu en as pensé, toi qui également as cette pensée décoloniale. Alors je vais te décevoir parce que j'ai pas réussi à le finir. Mon ordinateur n'a jamais voulu recommencer. Je me suis arrêtée 10 minutes après le début et depuis j'ai pas pu le relire. Alors je peux pas t'en dire davantage. La seule chose que je t'avais dite, bon, c'est que nous on a créé le collectif Décoloniser les Arts en 2015. Et on a créé ce collectif sur la base d'une dénonciation de l'absence des personnes racisées en règle générale sur les plateaux et dans le cinéma. Ou si les personnes racisées étaient présentes dans le cinéma, on avait des préjugés, des images toutes faites de l'arabe voleur et du noir, bon. Le noir, il y a plein de choses à dire sur lui, en dehors du fait qu'il pourrait être voleur, violeur, etc. Il est aussi sexualisé et tout ça. Donc, en fait, on a créé le collectif sur cette base-là. Et je ne sais pas, à partir autour de ces questions de l'introduction d'un certain nombre de termes, comme le mot racisé, il a fallu qu'on se batte. Chaque fois qu'on ouvrait la bouche et qu'on disait racisé, on se faisait agonir d'insultes dans toutes les réunions qu'on avait avec le ministère et les institutions en règle générale. Mais en tout cas, ça s'est ouvert et donc il y a un peu plus de propositions. Moi, j'ai pas vu le film parce que tout de suite des copines m'ont dit oh là laisse tomber, il y a tellement de c'est un peu encore des stéréotypes. Ce qui est certain, c'est que j'ai vu et je pense qu'il va falloir qu'on discute sérieusement entre nous femmes et féministes. J'ai vu un entretien avec Céline Sciamma et elle disait qu'elle avait voulu faire ce film parce qu'elle était absolument fascinée par ces jeunes femmes qu'elle croisait dans les rues. Et moi, les hommes fascinés par les femmes, ça m'énerve, mais les femmes et blanche, fascinée par les jeunes filles noires, ça m'énerve aussi. Donc, ma première réaction, ça a été, je ne vais pas regarder ça. Et puis après, j'ai commencé à le regarder. J'aurais bien aimé t'en dire davantage, mais malheureusement, je n'ai pas pris le film. Alors oui, je ne sais pas, notre conversation m'a quand même très clairement laissé comprendre, mais j'ai dû interpréter toute seule, hein, Gerti, ouais, que tu l'avais vu. Mais néanmoins, ça nous a quand même mené à se poser une question que j'aimerais que tu développes là, qui est peut-être qu'il y a une autre révolution du regard qui est aussi à mener en parallèle de cette révolution, qui est le female gaze. Absolument. C'est que une parole sur les personnes racisées manque. Elle manque terriblement. C'est une chose. J'ai lu ton livre et j'étais à un moment, je me suis dit, il va falloir que je lui dise. Tu sais, à un moment, tu parles du film Birth of a Nation. Oui. Et tu dis Birth of a Nation, on voit cette femme qui court et qui va être violée par un homme. Et ce film Birth of a Nation
c'est vrai, en même temps, va donner une image de l'homme noir, etc. Mais l'image de l'homme noir qui viole la femme, c'est depuis le début de l'esclavage. Je veux dire, donc c'est pas Birth of a Nation, c'est juste une manière de remettre au centre du débat, au moment où on sort de où on abolit l'esclavage, après l'abolition de l'esclavage, de remettre au centre du débat que non, ces gens-là n'ont pas leur place dans notre société et que les hommes en particulier sont particulièrement dangereux. Et sur les femmes noires, elle en parle un peu, Bell Hooks, sur le corps des femmes noires dans le cinéma. Alors, on parle du cinéma américain, mais si on parlait du cinéma français, alors, ce serait hilarant. Je veux dire, hilarant. C'est-à-dire qu'entre les infirmières, les nounous, les coiffeurs, les femmes coiffeurs, ou, etc., etc., on a un déficit du respect qui est dû à des populations qui sont absolument présentes partout. Je veux dire, et même quand on essaie de décider qu'on va changer les choses, on se dit on va changer les choses. Il n'y a pas suffisamment de jeunes noirs ou de jeunes racisés en règle générale, qu'ils soient maghrébins, qu'ils soient asiatiques, etc., qui sont dans les écoles de théâtre. Mais on va faire un truc spécial pour eux. On va faire un truc spécial pour eux alors qu'ils sont nés en France. Ils sont nés en France, ils ont suivi exactement le même parcours que tout le monde, ils sont allés dans les mêmes lycées, ils arrivent au bac au même niveau, et tout d'un coup on se dit, ah ben en fait, les noirs ou les ouvriers, c'est la même chose, on va leur faire une formation particulière, parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans les écoles si on ne leur donne pas, on ne leur fait pas gravir une marche supplémentaire. Et donc, cette question ça rejoint bien évidemment, totalement la question de la place des femmes. Mais si nous voulons balayer cette société, et il est plus que temps qu'on la balaye, il va falloir qu'on s'y mette ensemble. Et que donc les questions, évidemment les questions qui sont posées en tant que féministe, moi je me les pose depuis l'âge de 17 ans parce que je fais partie des groupes femmes depuis l'âge de 17 ans, mais je me les pose aussi en tant que femme noire. Et donc là maintenant, il va falloir qu'on se mette ensemble et que toutes ces questions-là, on les pose ensemble et qu'on en soit à chaque fois conscient. À chaque fois conscient, parce qu'il y a des thèmes qui peuvent entrer dans la discussion et il y en a d'autres qui n'entrent pas dans la discussion. Je suis désolée d'avoir été trop long. Absolument pas. Mais du coup, je vais un petit peu détourner le sujet parce que vous êtes nombreuses et nombreux, tous et toutes passionnantes et qu'on a assez peu de temps et du coup, il y a quand même trois qu'on peut encore parler pour l'instant. Donc je vais m'adresser à toi, Salomé. Salomé, ton roman, il est donc un roman qui nous parle d'un personnage féminin adolescent. Toi, tu me disais que tu avais été biberonnée à une littérature vraiment pétrie de male gaze, de Bret Easton Ellis, Fitzgerald et compagnie, qui est vraiment une littérature de point de vue pour le coup, mais pas le point de vue féminin du tout. Du coup, je me demandais si tu t'étais déjà identifiée à des personnages féminins de ces romans-là. Et peut-être les as-tu vus avec un autre regard maintenant que tu as grandi, que tu es une adulte, une autrice, une écrivaine, et puis aussi que la question du gaze se pose désormais. Alors non, je me suis clairement jamais identifiée au personnage féminin de cette littérature que je lisais. Je m'identifiais énormément au personnage masculin, mais sans vouloir être forcément à la place et aussi aux auteurs en fait masculins, puisque effectivement ma formation littéraire, elle passe. T'as cité Bret Easton Ellis, il y avait aussi Bukowski, évidemment Fante. Enfin, c'était aussi et en fait c'était leur place à eux en tant qu'auteurs qui m'intéressait, mais j'avais pas envie d'être forcément un auteur. Je voulais conserver ma place de femme, mais je ne trouvais pas le lieu où je pouvais me positionner en tant que femme, puisqu'effectivement j'ai découvert beaucoup plus tard en fait les autrices femmes qui m'ont ensuite permis de trouver un langage de m'installer en fait dans un langage qui me permettait de dire ce que j'avais à dire, principalement l'initiation sexuelle du point de vue d'une adolescente en banlieue parisienne. Et
En tout cas, ces femmes-là, non. Au contraire, je pense que ça me déprimait énormément. Parce que quand on regarde... Je parlais aussi de Cassavetes, je crois, au cinéma, où c'était quand même des personnages féminins qui étaient magnifiques, mais qui étaient toujours dépressifs, abandonnés, alcooliques, trompés, hystériques, enfin, tout ce qui était... et ça, quand vous grandissez, en plus, avec une mère célibataire qui a des enfants à charge, et que vous arrivez à la majorité, et vous vous demandez sérieusement qu'est-ce qui vous attend, en fait, comme dans votre vie de femme, quand vous avez ces deux parcours en fait et ces deux types de modèles en fait qui se rejoignent. Et je pense que j'ai longtemps souffert de ça. D'ailleurs, je pense que ce qui explique que j'ai écrit aussi relativement tard en fait, c'est qu'il m'a fallu vraiment un long moment avant de découvrir aussi. Bah voilà, c'est passé par Lydia Lunch, Despentes, Cathy Hacker et puis Annie Ernaux évidemment, Annie Saumont aussi qui a beaucoup compté pour moi, qui sont voilà des autrices féminines qui étaient beaucoup plus difficile à trouver, en tout cas moi quand j'avais 20 ans c'était pas la mode, aussi parce que je viens fortement d'une culture gonzo, enfin par rapport au journalisme qui est énormément dominé, enfin les femmes y sont quasi inexistantes. Alors le journalisme gonzo, je précise, parce que il n'y a que nous qui savons ce que c'est en fait. Le journalisme gonzo, c'est un journalisme vraiment incarné, écrit à la première personne et effectivement avec une grande tradition masculine et assez récemment approprié par les femmes. Oui, parce que aussi c'était un type de littérature et de journalisme. Donc en général, on dit Las Vegas Parano, ça parle à tout le monde. C'est parti d'un livre de Hunter S. Thompson, qui est donc un des grands maîtres de ce genre. Et parce qu'ils, en fait, ils pénétraient des mondes qui étaient très masculins et souvent réservés aux hommes. Moi, c'était des mondes qui m'ont toujours intéressée, de la même manière que les sexualités au sens large. Et oui, c'est très récemment qu'on commence en fait à ouvrir le spectre. D'ailleurs, à Genève, il y a le centre Maurice Chalumeau, si je ne dis pas de bêtises, qui est le centre d'études des sexualités. Il a fait un legs de sa fortune dans les années 70 pour que ce centre d'études des sexualités au pluriel soit ouvert. Ça a mis 50 ans avant de pouvoir mettre ça en place. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a fallu désamorcer pour que... voilà, c'était un legs sous condition, donc il ne pouvait le créer ce centre que aux conditions établies par Maurice Chalumeau. Et donc voilà, je pense que ça a été mon chemin a suivi quand même celui de l'accessibilité de ces à ces modèles-là. Et peut-être juste rajouter et d'ailleurs moi j'ai découvert Alice Guy en lisant Sous nos yeux. Sous nos yeux, ouais. C'est celui plus pour ados. Oui, même c'est celui que j'avais lu en premier, c'est comme ça que je l'ai découvert. Dire, c'est toute génération, mais c'est vrai que, on me l'a commandé en me disant qu'il fallait qu'un garçon ou une petite fille de 13 ans comprenne. Voilà, et je pense que c'est important. Non, ouais. Moi, c'est le premier que j'ai lu, après j'en ai lu d'autres, mais c'est vrai que c'est là où je l'ai découverte. Et c'est vrai que moi, je suis de 86, et quand j'étais ado, et d'ailleurs, dans le livre, dans mon roman, il y a une grosse place, Ophélie Winter est un personnage très important, et c'est vrai qu'on a grandi, moi j'avais 15-14 ans en 99-2000, l'affaire Monica Lewinsky c'est 98, Loana c'est 2001, Le Loft, on avait ce genre de modèle en fait, et on savait qu'on n'allait pas, qu'on n'était plus obligé d'avoir les vies de nos mères, donc on avait un peu tué l'ange du foyer, mais en même temps on n'avait pas remplacé cette figure-là, et j'ai l'impression que moi j'ai aussi grandi avec ces personnages féminins, qui ensuite je les ai retrouvés dans la littérature de Bret Easton Ellis et voilà, et j'ai mis longtemps avant de me détacher et de trouver, enfin je sais pas si je l'ai trouvé, mais en tout cas de... Elle l'a trouvé. T'as beaucoup parlé de la question de la sexualité et je me demande justement, parce que ça traverse beaucoup le parcours de ton personnage et ça a une place importante dans ton roman, je me demande selon toi ce que ça implique d'écrire des scènes qui parlent de sexualité d'un personnage féminin avec une perspective ou en tout cas une exigence féministe. Alors je crois pas que je les ai écrits avec une exigence ou une perspective féministe, parce que j'espère que j'ai pas écrit avec des idées, après c'est sûr que j'ai écrit avec ce dont je suis pétrie, donc peut-être que...
Par contre, là où j'ai écrit, c'est que je pense qu'il y a une grande violence qui se fait dans les fictions, dans l'image de la sexualité, et en particulier féminine, à laquelle dont on nous abreuve, ou en tout cas dont moi j'ai été abreuvée quand j'étais adolescente, avec évidemment tout ce qui collait à la sexualité féminine, qu'on est vraiment en train de déconstruire depuis quelques années, et je m'en réjouis, mais avec une image extrêmement lisse, extrêmement... tout ce qui était un petit peu doux, joli, tendre, et qui appartenait, qui était un petit peu ce qu'on attendait des femmes dans la sexualité, et évidemment la domination au sens pratique et théorique du terme. Et moi, j'ai vraiment... Je pars de moi et je pars de mon expérience, parce que c'est vrai qu'il y a eu un tel décalage en fait entre la pratique et les images et les fictions et les récits dont j'avais été abreuvée, que je trouve que ça rend fou en fait d'être aussi baladée en fait entre puisque la sexualité c'est c'est vraiment un lieu d'exploration, et c'est un lieu de on me dit le livre est trash. Non, pour moi le livre il est cru, parce que la sexualité est crue en fait, et de manière générale c'est vraiment le lieu de la mise à nu, enfin, et donc voilà, ce qui était important pour moi c'était l'authenticité de ce récit. Alors après ça se passe dans le livre dans des conditions très particulières, mais je crois que si on enlève le cadre très précis du livre, c'est possiblement des expériences qu'on peut toutes faire. Il y a un documentaire sur Arte qui s'appelle Préliminaire, qui parle de la sexualité des adolescents et qui dit en fait à quel point on essaye de se coller à des injonctions, et chez les hommes, chez les garçons comme chez les filles, voilà, il y a des niveaux à passer et des étapes à réaliser, et en fait on y va parfois à reculons, mais on a l'impression qu'il faut le faire. Et voilà, j'avais envie de rétablir un tout petit peu de mettre un tout petit peu d'authenticité dans ce qui me paraît c'est être sujet à une immense ellipse. Et d'ailleurs au cinéma c'est souvent comme ça, là où on devrait s'instruire de quelque chose, il y a une ellipse. Et voilà, donc je voulais écrire sans ellipse. C'était peut-être ça le point de vue féministe. C'était en tout cas une forme de sincérité là-dessus. Il me semble que c'est effectivement un point de vue engagé. Déjà de prendre la décision de ne pas créer d'ellipse dans les scènes de sexualité, c'est déjà, je pense, un engagement, quoi. Et en effet, c'est un personnage qui fait ses expériences de sexualité dans un cadre prostitutionnel, donc c'est particulier. Pour autant, c'est extrêmement universel ce qu'il y a raconté, je pense, dans les rapports à l'autre et la découverte, tout simplement, qui concerne, je pense, toutes et tous. Charlotte, c'est si longtemps que ça a commencé, tu n'as pas encore parlé, c'est terrible. Non, mais on y est. Charlotte, toi, tu photographies énormément de femmes, et ce qui me marque dans ton travail, c'est... l'omniprésence de l'humour, du décalage, voire de l'absurde souvent. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour un regard désirant dans tes images, en tout cas dans la manière dont tu photographies les corps féminins. Et je me demande si c'est une démarche active de ta part, si c'est pour proposer une autre façon de montrer les corps féminins, ou si c'est simplement ta position à toi de femme qui est hétéro et qui, de fait, regarde les femmes avec un autre regard que celui d'une personne qui les désire. Je pense que la question est complexe, mais la réponse est encore plus complexe, dans le sens où c'est plein de nuances, c'est-à-dire que l'absurde et l'humour peuvent potentiellement se coupler avec le désir, et quant à l'orientation sexuelle, elle peut évoluer au cours de la vie, et est pleine de mystères. Mais en tout cas, c'est vrai que... En tout cas, moi, ce qui m'avait marqué en grandissant, c'est qu'il y avait cette injonction à la désirabilité, cette injonction à être une meuf bonne, à avoir des mecs à qui on plaît, etc., etc. Et du coup, j'avais envie de représenter autre chose et de pouvoir se dire qu'on peut exister évidemment bien au-delà de tout ça, et donc proposer des représentations, en tout cas tout simplement prendre en photo des personnages féminins, sans, en tout cas, plutôt d'égal à égal finalement, dans un rapport de complicité, dans un rapport d'échange, de bienveillance, et pas justement dans un regard soit de domination ou de désir, où on sent, entre guillemets, une tension et qui tourne du coup potentiellement autour de la sexualité. Mais voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, du coup, c'est une complicité que tu essayes de créer systématiquement quand tu es face à une femme que tu vas photographier, et tu essayes de faire en sorte, j'imagine, que du coup, l'atmosphère soit propice à ce qu'elle se sente à l'aise. Comment ça se crée, ça,
sur un set? Bah, je pense que c'est beaucoup du feeling, de l'instinct. Et en fait, au final, c'est plus... Enfin, que ce soit homme, femme, personne non-binaire, c'est simplement l'empathie envers un autre être humain. Et je sais que la photographie, ça peut être un exercice un peu spécial où on se sent justement peut-être un peu traqué ou... Et du coup, c'est important que la personne se sente à l'aise, qu'elle se sente mise en valeur et qu'elle se sente en confiance et qu'il n'y ait jamais un rapport de force ou d'imposition ou d'autorité, quoi. Oui, c'est marrant que tu utilises le mot traqué, mais c'est, en fait, tout le vocabulaire de la photographie est vraiment autour de ça. C'est vraiment un champ lexical du chasseur, en fait, avec sa proie. C'est un shooting, on capture l'image de quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose de très violent, en fait, dans tout le vocabulaire C'est vrai, et puis ça pose plein de questions aussi sur le consentement. Et c'est pour ça aussi que moi, j'aime bien plutôt construire mes images, finalement, et être vraiment... dans une optique d'être comme dans une page blanche et de construire les éléments. Après, évidemment, il y a toujours l'accident du moment et la vie réelle et le présent. Mais c'est vrai que je ne suis pas forcément une photographe de l'instant, ni une photographe de rue. Et en plus, à chaque fois, je me pose plein de questions sur le consentement des photographes de rue. En mode, mais comment ils ont fait? Et puis, comment ils ont fait pour que la personne soit d'accord? Est-ce qu'elle est d'accord? Donc bon, c'est un peu à chaque fois, en plus que je vois plein de gens incroyables dans la rue, à chaque fois, je suis là, ils sont incroyables. Mais bon, voilà, je n'ai pas encore passé le cap de la timidité, tout ça. Mais bon, tout ça pour revenir au fait que voilà, je pense que c'est plus un rapport d'être humain à être humain et de... Voilà, de vouloir toujours faire les choses bien, avec bienveillance, douceur et échange, quoi. Le consentement, c'est quelque chose qui est important pour toi dans ta pratique journalistique, et merci à toi. Il y a une autre chose qui semble, en tout cas, de mon point de vue extérieur, important, c'est l'inclusivité des castings, que ce soit pour tes séries de portraits ou que ce soit pour les clips que tu as réalisés. C'est quelque chose qui est très présent et on sent qu'il y a un véritable soin qui est apporté à ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta démarche à ce sujet? C'est simplement qu'il y a plein de gens différents et que c'est assez jouissif finalement, et que puis ça a aussi son importance évidemment politique. Après, je reste une femme blanche cis hétéro a priori. We'll see. Et j'ai l'impression qu'il y a un glissement qui opère quand même. Non, mais bon, c'est... Il y a un petit glissement, je le sens. Non, mais bon, c'est vrai que voilà, on en parle, ça fait son chemin. Mais en tout cas, c'est vrai que... je trouve ça assez fascinant, même les différences entre les gens, rien que les différences entre les yeux des gens. Enfin, c'est débile, hein, mais en tout cas, je trouve ça hyper riche. Et vu qu'on est toujours rempli de monoreprésentations, de monotypes, puis maintenant, on arrive quand même, je trouve, à une espèce de moulage où avec toute cette Instagramisation, des filtres, tout ça, on arrive à des clones un peu. Enfin, ça fait un peu peur. Et du coup, je suis assez fascinée par ça. Et c'est vrai que évidemment, ça a aussi son importance par rapport aux personnes qui sont beaucoup moins représentées, plus invisibilisées. Après, voilà, je pense que c'est aussi important de laisser la place à des créateurs et des créatrices qui appartiennent à ces groupes minoritaires et qui peuvent avoir leur voix et leur narration. Après, moi, ce que j'aimerais aussi pouvoir faire, c'est me dire que je peux mettre à disposition ma direction artistique ou ma manière de faire des images, et que ça puisse aussi, comme dans un travail de collaboration, amener au discours que les personnes que je prends en photo ont, ou à leurs écrits, etc. Donc voilà. Merci. Sam Boursier. La représentation, un sujet qui te passionne. Non, Sam Boursier est un petit peu agacé par l'idée de gaze. On a eu une discussion qui l'a montré. Et d'ailleurs, tu ne peux pas le nier, car un tweet d'annonce... Car un tweet d'annonce... Eh bien non, ça ne marche pas. Censure. Car un tweet d'annonce de table ronde à laquelle vous êtes en train d'activer... C'est parti pour les lapsus. Activate. Ton tweet mentionnait vraiment très clairement cet agacement au sujet du gaze, mais particulièrement au sujet des représentations, dont tu m'as dit que c'était un axe qui te semblait trop omniprésent dans le discours féministe actuel. Mais je ne peux pas m'empêcher, et je vais poser ma question... Je ne peux pas m'empêcher de me rappeler de ma lecture passionnée de Queer Zone quand j'étais une étudiante en études de genre. Oui, je sais aussi caresser dans le sens du poil. Je me rappelle que la question des représentations était quand même assez omniprésente, malgré tout, dans Queer Zone, puisque le livre mettait quand même en avant le fait... Tout à fait.
Tout à fait. Non, l'important, c'est l'urgence, effectivement. Je vais juste terminer ma phrase, parce que sinon, elle est en suspens. Que ces représentations existent, que cette visibilité concerne aussi les minorités, et que les personnes minorisées puissent aussi raconter elles-mêmes leurs propres histoires, ce qui est vraiment le sujet de notre conversation. Bon. J'ai fini. Qu'est-ce que je peux ajouter, alors? Non, c'est vrai que... Non, mais c'est bien parce que les politiques de la représentation sont au centre de ma construction aussi, sexuelle, de genre, subjective, etc., qu'on a eu cette conversation animée au téléphone il y a 2 jours. Je peux expliquer pourquoi. C'est parce que, bon, effectivement, le premier volume de Queer Zone, c'est là-dessus, c'est les politiques de la représentation, etc. Moi, je suis un bébé contrarié du female gaze. Dans les années 90, moi, je comprends que je vais pouvoir faire quelque chose politiquement du fait d'être, à l'époque, je pensais lesbienne, bêtement. Ensuite, j'ai compris que c'était plutôt Gwyn et un certain nombre de choses. Je vais à Cinéfable, un festival, et c'est là que je comprends. Et je comprends pas forcément la théorisation de Laura Mulvey, parce que je la lirai plus tard, mais je vois qu'effectivement, il n'y a pas de représentation. Et à l'époque, au festival, j'y vais, je commence à travailler, à essayer de trouver des films, et on veut quoi? On veut, en fait... On se pose la question, finalement, de la représentation lesbienne, de la politique de la représentation lesbienne. Et donc, forcément, je découvre le féminisme, c'est Cinéfable. Je n'ai pas découvert Wittig en France, je l'ai découvert dans Butler. C'est tout un truc, comme tu rappelais, Iris, très bien, les années 90, il y a un boom sur les politiques de la représentation qui est énorme et qui, évidemment, vient de la théorisation, justement, de Laura Mulvey avec sujet, objet, etc. Le gaze, le female gaze. En même temps... c'est le moment où vous avez, ce que moi je comprends qui va m'intéresser complètement, ce mouvement queer en fait qui s'installe avec un cinéma queer qui arrive et qui dit bon, on va quand même pas faire que des images positives, on va pas faire que la politique des identités gentilles, et là je parle pour les LGBT, c'était plutôt les LG on va dire, mais dès 90... Vous avez à Londres, au festival LGBT de Londres, des trans qui disent « bon, il n'y a pas assez de films, on en fait un côté ». Et le premier festival de films trans, Transmutation, je crois, qu'a fait Isaac Nataf, c'est la fin des années 90. Donc moi, en fait, je suis, non pas ontologiquement queer, mais je suis dans une position, en fait, d'abord, je ne m'identifie pas comme femme. Donc je suis d'accord avec cette analyse du dispositif de ne pas être objectivée, mais comme m'a dit Wittig et je l'ai cru, et je le crois encore, je ne suis pas une femme. Donc déjà, ça se complique, tu vois. Et après, on arrive à une époque où, effectivement, on a toute cette explosion du cinéma queer qui critique aussi même la notion de lesbian gays. Parce qu'en fait, il y a la masculinité qui rentre dans le champ. Moi, j'étais butch. Je suis toujours butch. Maintenant, je suis trans non-binaire. Plutôt IEL masculin, on va dire. Donc ça ne pouvait pas marcher très bien, cette histoire d'opposition. Enfin, moi, je ne peux pas profiter du female gaze si on continue de l'articuler sur la différence sexuelle. Et je sais très bien ici que les gens ne développent pas le female gaze par opposition au male gaze de manière binaire et co-constitutive. Mais c'est une vraie question. Parce qu'en ce moment, moi, ce qui m'agace, c'est qu'il y a beaucoup de politiques des identités, notamment reprises par un certain discours politique tout d'un coup, écoféministe, très female quelque chose, qui va sur la politique de l'identité femme d'une manière qui, pour moi, me ramène en arrière, justement. Et quand j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le livre d'Iris, parce que, justement, j'avais l'impression aussi qu'à l'intérieur du livre, tu cherchais une solution aussi à cette histoire-là. Bon, voilà, le female gay, c'est pas forcément une femme. Enfin, et encore, qu'est-ce que c'est une femme? Parce qu'il y a des gens qui veulent pas mettre toutes les femmes dans les femmes. Enfin, passons. Qu'elle soit noire, qu'elle soit trans, on ne va pas rentrer dans les détails, etc. Et quand tu vas sur la phénoménologie, sur l'expérience, sur le corps, c'est là que je trouve qu'on trouve des solutions. Dans les années 90, lesbiennes s'identifiaient plutôt par rapport aux PD. Et puis il y avait des PD, tout d'un coup, il y avait des lesbiennes hypermasculines, ils avaient envie de sauter. Alors comment on fait, quoi? Donc c'était genderfuck. Et moi, je suis sur le genderfuck, en fait. Donc je peux pas être... Alors, je prends tous les gays, enfin c'est pas que je les prends de manière cumulative, mais forcément cette histoire de gays, et après arrive le porno, le post-porn, parce que moi qu'est-ce que je programme à Cinéfable? À Cinéfable, c'est ce que tu dis très bien aussi dans le bouquin, mais on le sait. Moi je suis assez vieux en fait, donc quand j'arrive à Cinéfable fin des années 90, eh ben il y a cette stratégie narrative, féministe d'ailleurs, plutôt que lesbienne, comme la narration, elle est, comme le dit Mulvey, hyper objectivante et tout, bon, on montre rien. On fait du cinéma expérimental. Alors,
on gratte la pellicule. Moi, j'étais là. Je me dis, ouais, si c'est ça, le désir lesbien, c'est ouf. Enfin, je voyais rien. Je voyais pas de corps. Il y avait rien à se mettre sous la dent. Alors, je dis, bon, bah, comme aux États-Unis, il y avait du porno lesbien, je programme le porno lesbien. Alors que Cinefab était très contre. Mais, vraiment, elles m'ont laissé faire et tout. Et on est parti, en plus, sur des trucs sadomaso. Il n'y avait que ça. Et donc, là, la question du sujet objet se pose encore différemment, puisqu'on peut très bien avoir du plaisir à être objectivé dans un porno, sadomaso, post-porn, etc. Donc, pour moi, c'est un vrai bordel, c'est ça que je veux dire. Après, c'est vrai que quand on entre, quand les formes de la visibilité, y compris trans, parce qu'en ce moment, on se crrrr sur les trans, quand ça rentre dans les logiques de management de la diversité, vous voyez, avant, il n'y avait rien, tout d'un coup, tout le monde le veut. Tout le monde veut des représentations, tout le monde veut des représentations différentes, tout le monde veut des représentations, l'inclusivité, la diversité, etc. Ah ben moi, le guest de l'État, j'en veux pas. Le guest de l'entreprise, ça m'intéresse moyennement. Le discours de la diversité et de l'inclusion, en fait, j'en veux pas, je suis contre. Enfin, je veux dire, parce qu'on a d'autres formes de vie, donc toutes les formes de visibilité, pour moi, ne se valent pas. Donc c'est pour ça que j'ai une ambivalence très forte en ce moment avec les politiques de la représentation. Surtout quand elle renforce, en fait, ce que moi je veux détruire, entre nous, cette fiction capitaliste de la différence sexuelle de merde depuis le 17e, depuis le 16e, qui détruit tout. Donc forcément, il y a un porte-à-faux qui peut être productif, mais il existe. Parce que si on va beaucoup supprimer le gaz, je ne dis pas qu'on va trop ou que là-dessus, on réifie la différence sexuelle d'une certaine manière. Donc c'est ça, mon oscillation. Très bien, mais on peut l'appeler comme ça. On va l'appeler comme ça. On appelle ça une oscillation, une c'est oscillation, charmant. Ça peut, ou enfin, non, charmant, c'est charmant, je ne prends pas. Parce que, non, c'est gender fucking quand même. Hein, c'est, gender fuck alors. Tu vois, bon c'est pas charmant, sa petite main charmante, ça me fait penser cet adjectif. J'arrête. Il y a un truc que vous savez. Bah oui, parce que ça, c'est du gaze, et c'est du gaze médical. Quand, c'est qui a disséqué la Vénus de Otanto? C'est l'enfoiré de Cuvier. Il la dissèque dans tous les sens. Et après, quand il fait le rapport d'autopsie, il dit sa petite main charmante. En plus, il l'aurait sauté, quoi, s'il avait. Alors, une oscillation. Le nécrophile. Une oscillation qu'on qualifiera donc de radicalement genderfuck. OK? J'ai juste une petite demande à ma gauche. J'ai retiens envie de réagir et ensuite on passera la parole à Iris. Non, mais je suis... c'est marrant parce que, voilà, on se trouve dans des situations un peu compliquées. C'est que, d'une certaine manière, bon, j'étais là tout à l'heure, je me disais, mais pourquoi ils m'ont invité à cette table ronde? Et après, je me suis dit, bon, il fallait peut-être une noire. Bon, alors, je vais jouer la noire. Je vais dire ce qu'elle est. Bon, parce qu'il faut bien dire qu'il y a des choses à dire sur les Noirs, donc je vais les dire. Mais en même temps, je sens absolument cette chose insupportable de prendre des sujets comme ça et de les traiter de manière finalement à pas remettre en question les véritables choses qu'il s'agit de remettre en question. C'est-à-dire, tu as prononcé le mot capitaliste, c'est la première fois qu'on l'entend dans ce ouais, je sais pour rien reprocher à personne, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le centre de la question. La question de la place des femmes et du racisme, etc., c'est là que ça commence. C'est avec eux, c'est pas l'homme qui a, c'est l'homme capitaliste qui a. Et ça, c'est vachement important. Et donc, en dehors de ça, on a le fait d'utiliser, de prendre les différents sujets. Alors, truc va traiter la diversité dans une pièce, machin. Alors, il va faire, s'il peut, il va faire tout en même temps. Genre, le validisme, etc., etc. Et donc, on est une série de diversité par rapport à une norme qui est toujours jamais nommée, hein, dans le fond, et par rapport à finalement le fait d'entrer toute cette confrontation, de réussir à faire entrer toute cette confrontation dans un système qui va perdurer.
Et c'est là où ça pose un problème. C'est là où, et tout à l'heure, je voulais réagir simplement quand je t'ai dit, laisse-moi parler. Hein, je voulais réagir à j'écoutais Salomé et je me disais, mais qu'est-ce qu'on a foutu entre le mouvement féministe des années 70 auquel j'ai participé quand j'avais 17 ans et Salomé est née en 1986, c'est ça? Et je me dis, mais tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a expérimenté, toute la folie sexuelle, etc., etc., a totalement disparu. Et on a laissé ces gamines, excuse-moi, hein, devant des télévisions qui leur rejouaient La Belle et la Bête, etc., etc. Et il y a ce féminisme qui est aussi entré dans l'institution, qui a Yvette Roudy, machin et choses, qui vont devenir ministres de quelque chose. Et quand elles sont devenues ministres, le féminisme a disparu. Je veux dire, le féminisme dans toute sa son insolence. Là, le féminisme des années 70 était particulièrement insolent. Et je me sens toujours dans cette insolence-là. Et il y a un moment où, féministe, je me suis dit, bah, en fait, non, féministe, ça ne m'intéresse pas. Si c'est ça. Voilà. J'espère que c'est plus tout à fait que ça, quand même. Hein. Je pense qu'on a quand même une jeune génération qui est particulièrement insolente. Moi, j'adore ça, en tout cas. Je le constate chaque jour. Non, mais c'est vrai. Je trouve qu'il y a des... Il y a quand même des choses plutôt rassurantes, en tout cas, quand on regarde les ados. Moi, je le trouve, en tout cas. Salomé, tu veux répondre à Gertie? Non, je pense que c'est aussi une question... Mais on n'est pas ados, en fait. On est des femmes adultes. Par contre, Gertie, je préfère te le dire. Non, non, mais très brièvement, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense que t'as raison. Où est-ce que c'est passé? C'est vrai. Après, c'est aussi une question d'accessibilité. C'est à quelle source on avait accès quand j'étais gamine. Moi, j'avais accès à ce dont j'avais accès là où j'ai grandi, dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Et donc, je pense que ça, c'est aussi une question qui se joue aujourd'hui. Et si on avait Ophélie Winter comme modèle, c'était aussi un modèle capitaliste. Donc, on composait avec ce qu'on avait à portée de main ou à portée de vue, en l'occurrence la télévision, et après on l'a déconstruit j'ai commencé à produire une réflexion grâce aux études que j'ai faites, grâce aux lectures que j'ai faites surtout, mais tout ça c'est aussi une question de, et je pense que c'est un des gros enjeux d'aujourd'hui, c'est d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à ces contre-images, et c'est pas gagné pour tout le monde partout. Sam, tu disais tout à l'heure que cette question du female gaze avait tendance à ton... C'est pour toi, Iris. Garde le micro. Tu disais tout à l'heure que la question du female gaze avait tendance à réifier les rôles de genre et la binarité du genre. J'aimerais bien que Iris ait la possibilité de répondre à cet aspect de la question. Moi aussi, il y a une oscillation permanente... J'ai écrit, je sais pas, le livre il est sorti il y a 2 ans, j'avais bien conscience en choisissant le mot de féminin qu'il y avait déjà quelque chose qui me dérangeait. Et parce que aussi il n'y a pas de vraie traduction de female en français et que j'avais envie de citer Laura Mulvey, mais que j'avais bien conscience qu'il y allait un endroit, il y avait une binarité qui se rejouait et qui me mettait mal à l'aise. Et en même temps j'avais l'impression que... tout ce qui était vraiment lié à la corporéité et aussi à des états de corps me manquait visuellement. Mais je veux dire, je sais pas, j'ai écrit ce livre toute seule et 2 ans plus tard, où est-ce que j'en suis par rapport à ce livre? Ben, y a des choses qui évoluent, notamment... et là, j'ai fait une conférence il y a quelques mois... à Bruxelles pour un événement qui s'appelle la Lesbiennale, et j'ai fait une conférence qui s'intitulait « The Lesbian Gaze ». En gros, c'est quoi le regard Gwyn, quoi, parce que je me suis rendu compte que quand même 90% des œuvres citées dans mon corpus mettaient en scène des femmes lesbiennes, ou en tout cas qui sortaient de l'hétérosexualité, et que la plupart des œuvres que je citais étaient aussi réalisées par des femmes Gwyn. Et donc ça m'a interrogée moi-même sur mon propre biais,
Et même quand j'ai écrit Sous nos dix yeux, je me suis rendu compte que dans le regard féminin, c'était aussi majoritairement des cinéastes blanches. Donc quand, dans Sous nos yeux, j'ai décidé de changer ça. Et parce que, c'est aussi permanent, en fait, ce travail qu'on doit faire avec soi-même, quoi, de se regarder et de regarder les œuvres qu'on produit et de se dire aussi qu'il faut qu'il y ait une certaine honnêteté par rapport à nos propres angles morts. Bon, donc j'en suis là. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait quelque chose, en fait, autour de, voilà, de se dire que ça pourrait être quoi un regard Gwyn, dans le sens où, en fait, d'avoir des personnages féminins qui se disent pas forcément lesbiennes dans un truc d'orientation sexuelle, mais qui se disent Gwyn politiquement, c'est-à-dire qui veulent exister en dehors d'un regard masculin, mais qui veulent aussi sortir de l'hétérosexualité comme régime politique. Et c'est là, en fait, on en revient aux années 70 et à Monique Wittig, qui, je pense, là, il y a un nouvel essor, mais ça pose aussi la question des traductions. Parce que je pense que beaucoup de ces textes des années 70, aussi états-uniens et des années 90, n'ont pas été traduits en français. Et donc, en fait, il y a plein d'endroits, en fait, de trous qu'il faut combler, et de trous aussi théoriques. Et c'est vrai que, comme cadre théorique dans le regard féminin, j'utilise la phénoménologie, j'utilise Merleau-Ponty. Mais Merleau-Ponty, quand il parle d'expériences vécues, il parle jamais, par exemple, de grossesse ou de... Et donc, c'est pas pour rendre ça essentialisant ou biologisant, mais ça veut dire qu'il y a certaines expériences, comme elles n'ont pas été pensées philosophiquement, je trouve que c'est hyper difficile, en fait, de les investir sans rentrer dans un truc de binarisme. Donc, et en même temps, voilà, je sais pas, là, je relisais Donna Haraway, et qui a écrit le manifeste Cyborg, donc je sais pas si vous avez vu Titan, bon, là, je vais m'enfoncer dans un truc beaucoup trop complexe, mais j'ai l'impression que, voilà, qu'il y a trop peu de textes théoriques, en fait, pour avancer, et que j'essaye, malgré moi, de tordre, en fait, le concept de regard féminin. Je sais que j'ai voulu le conceptualiser, mais que depuis que je l'ai fait, quelque part, il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose que j'ai envie de tout le temps tordre, parce que j'ai justement pas du tout envie que ça reste dans un truc de binarité ou de simplification, et qu'au contraire, je pense qu'il faut toujours, en fait, que vous regardez ça comme des chimères qui vont prendre plusieurs formes, et pour moi, voilà, c'est un concept qui continue à évoluer... avec moi, malgré moi, et de manière assez joyeuse quand même. Parce que les glissements sont joyeux. On oscille énormément ce soir. Sam Boursier, tu voulais réagir. Je voulais compléter. Enfin, c'est aussi que les politiques des identités des années 70, qui ne disloquaient pas les problématiques comme maintenant, c'est-à-dire il était impensable de faire une politique de l'identité gay ou femme, parce qu'on n'en parle jamais, mais finalement le féminisme c'est une politique de l'identité femme, sans prendre en compte les notions économiques, l'antiracisme, ça veut pas dire que c'était idéal, tout se passait bien, etc. Mais c'était lié. Maintenant c'est disloqué, notamment avec l'arrivée des fémocrates, depuis Giscard, etc. Même si Simone de Beauvoir avait dit ce truc ça va pas marcher, alors qu'elle est arrivée au féminisme comme ça, enfin je veux dire dans le mouvement. Bon. Maintenant, si vous voulez, avec les politiques des identités LGBT, la soupe alphabétique, etc., et même si on met le F dedans, tout ça, il n'y a pas encore d'autres lettres. Et d'ailleurs, on oublie toujours le R de racisé, et on oublie toujours le P de pute. Hein. Donc, la soupe alphabétique, bon. Évidemment que ça marche, c'est une rhétorique formidable de se dire, mais oui, on a besoin de nos propres représentations, on va ne plus être objectivé, on va produire, et ça marche. Bien sûr, il va y avoir des regards, il va y avoir des corps qui vont produire d'autres choses, etc. C'est une étape, en tout cas, nécessaire. Non, mais je pense pas qu'il faut linéariser, même. Ça peut même continuer, ça peut être simultané. C'est pas forcément ni évolutif, ni involutif. Moi, je dis pas qu'il faut arrêter avec ça. Mais il y a une vraie tension, effectivement, parce que maintenant, ces politiques de la visibilité, moi j'ai été le premier à me vautrer dans les années 90 sur les politiques de la visibilité, à dire en France, contrairement au mouvement queer américain, il nous faut des politiques des identités parce qu'on ne sera jamais représenté. Donc j'en ai mangé, j'en ai bouffé, j'en ai transmis, etc. Mais on disait déjà post-identitaire, parce qu'on savait qu'à un moment donné, si c'est une entreprise qui vous fait la politique de l'identité, c'est autre chose, elle va être hyper normative. Et depuis que les gays et les lesbiennes, excusez-moi, sont productifs, font des enfants, procréent, etc., il y a vraiment quasiment une norme de la représentation. Regardez, on se marie entre personnes de même sexe. Les folles, on n'en veut plus.
même dans le L Word que tu cites souvent et que moi j'ai boulotté aussi, même la dernière, là, génération Q, il y a un problème de cheveux, il y a un problème de mèche, il n'y a jamais eu de butch. Shane, c'est ça son problème. Shane, toi, bon, c'est son non, pas coiffure. Shane, non. Même le gars trans, il a un problème de coiffure et de brushing. Toi, bon, ouais. Bon, mais là, ça veut dire, c'est là qu'on est. Et donc, forcément, si à un moment donné, on se dit, mais attendez, la différence sexuelle de merde qui nous a mis dans ces situations-là, qui a été utilisée comme un instrument de colonisation, de réduction de la multiplicité des genres partout, etc., forcément, on est en tension par rapport à ça. C'est ça que je veux dire. Donc, du coup, forcément, moi, les trans en ce moment, il y en a une bonne partie qui ne veulent pas refaire le tour de manège comme ça. Ils en ont envie, c'est important, mais ils ne veulent pas non plus les photos glamour. Pourquoi ? Parce que c'est de l'inclusion, elle est toujours meurtrière. Il y a très peu de gens qui accèdent à la représentation, aux photos, même si tu fais 10 000 photos, 20 000 photos, 40 000 photos dans ta vie de personnes trans. Et il y en a qui réfléchissent, et on est tous là-dessus, sur se dire que... Il y a aussi le son, regardez tous les gens qui switchent sur les podcasts maintenant. Les films, bon, toi tu n'es pas vieille, mais il y a plein de gens, moi les étudiants, je fais des cours sur les politiques de représentation, ils ne regardent plus de films. Ils regardent que des bouts, des machins, des trucs, des vidéos, YouTube, machin, Insta, trucs mûches, etc. Donc déjà, la question même de l'identité, même d'un film, ou de la subjectivité en regardant quelque chose, change. En plus, nous, on est criblés par le data. Tout ça, notre subjectivité, elle est en train d'éclater complètement. Donc, à partir de ce moment-là, forcément, les choses bougent, et les politiques d'identité, des représentations disciplinaires, rentables, comme on les a connues, etc., là, moi, encore une fois, il y a cet ouvrage, à peu près j'arrête, par Che Gossett et Réna Gossett. Donc, Réna Gossett est la femme trans qui a voulu faire un film, elle est académique, artiste, etc., enfin, qu'importe, qui a voulu faire un film sur Martha P. Johnson et qui se l'est fait piquer par le gars de Netflix, le cis blanc, qui a fait n'importe quoi, etc. Et ben, en fait, le bouquin s'appelle Trap Door. Oui, on ouvre des portes, mais c'est aussi des pièges. Et la visibilité... Il faut vraiment réfléchir sur les politiques de la visibilité avec tous les pièges qu'elle tend. Et encore une fois, inclusion meurtrière. Parce que les trans, on retrouve le même problème. Les trans racisés, les trans pauvres, les putes, etc. Non, elles n'accèdent pas à tout ce dont on est en train de parler, en fait. Voilà. Donc c'est là que... Là, je ne sais pas si ça aussi, là, ça, oui. Ça tangue vraiment. Hein. Non, mais j'aimerais rebondir en fait sur ce que Sam dit. C'est vrai que par exemple, si on regarde The L Word, Generation Q, bon, moi aussi j'ai tout regardé, mais on a vraiment l'impression qu'on coche des cases. Moi, quand par exemple je parle de lesbian gaze ou de regard Gwyn, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est que dans les œuvres qui vraiment vont réfléchir en fait à l'hétérosexualité comme régime politique, social et économique, en fait, les personnes, pour produire des nouvelles images, vont réinventer des codes filmiques. Et donc moi je lis tout le temps ça à la mise en scène, c'est-à-dire que les personnes qui ne veulent pas en fait utiliser enfin les outils en fait du regard dominant vont forcément inventer des manières de filmer leurs personnages féminins qui veulent sortir en fait de ça. Et c'est comme ça en fait qu'on a Germaine Dulac qui fait le premier film surréaliste. C'est comme ça qu'on a Dorothy Arzner qui invente la perche parce que son héroïne bouge trop vite sur le plateau et que du coup elle n'arrive pas à capter le son. Donc les inventions formelles, en fait souvent, enfin moi c'est ce que j'essaye, enfin je réfléchis à ça en ce moment, elles sont en fait souvent liées à des cinéastes qui veulent, pour montrer des choses différentes, sont obligés d'inventer des outils différents. Et si on regarde une série comme Work in Progress, qui est aussi diffusée sur Canal+, avec une héroïne lesbienne qui tombe amoureuse d'un jeune homme trans, ce qui m'intéresse, c'est que formellement, il y a de l'invention. Et on cherche tout le temps à produire quelque chose qu'on n'a pas encore regardé. Il y a tout un truc autour du dead name du personnage qui va être visuellement s'incorporer, mais d'une manière hyper intelligente. Et donc de réfléchir en fait à ces questions-là visuellement par la mise en scène nous permettent justement, pour moi, de ne pas se vautrer en fait dans un truc où il faut cocher toutes les cases et montrer qu'en fait de réfléchir à ça, forcément ça va produire des nouvelles images et aussi de nouveaux imaginaires, mais que tout ça est toujours lié à la mise en scène des corps. Tu l'as dit, le mot-clé, pour moi, c'est le corps. L'incorporation. Alors évidemment, du coup, on perd filmé, lesbienne, gay, trans, handi, noir. On a l'impression qu'on perd tout. Ce qu'on a gagné avec les politiques de la représentation marquées avec les lettres. Mais c'est le corps, et ça fonctionne très bien dans ton bouquin. L'incorporation.
En plus, c'est ça qui est en train de nous arriver. On est en train de tout boulotter, là, les datas, les machins, les trucs. On se fait boulotter par les datas. Bon, l'alphabet dont tu parles, tu l'utilises quand même, notamment en faisant partie du collectif Archive LGBTQI+. On est bien obligé de porter des noms, mais j'aimerais qu'on en parle parce que donc, c'est un collectif qui a été créé à l'initiative d'Act Up Paris après à la sortie du film 120 battements par minute, et du coup qui a vocation, j'aimerais que tu le développes un petit peu, qui a vocation à créer un espace d'archives des minorités de genre et des minorités sexuelles. Et du coup, de se réapproprier ces archives-là. Les archives étant historiquement des outils très puissants, bien souvent utilisés par les dominés pour raconter l'histoire de la façon qui leur sied. Donc, c'est une démarche qui est extrêmement politique et qui parle de regard. Peux-tu nous en dire plus ? Non, mais avec grand plaisir, mais on retrouve un peu la même problématique. Il y a un film que tu connais certainement de Chael Dainey qui s'appelle The Watermelon Woman. Bon, que je peux pitcher rapidement, parce que c'est un film sur l'archive impossible. Donc on voit Chael Dainey qui joue son propre rôle, elle travaille dans un vidéoclub, je ne sais plus, à Chicago ou ailleurs. C'est un film des années 90 encore. Hein. Et donc, elle écrit le film de la Watermelon Woman, qui serait une femme noire qui aurait été actrice dans le Hollywood des années 30, mais dont on aurait perdu le nom, etc. Puis à la fin, on comprend, elle a travaillé avec une artiste d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom, qui a une barbe. Si je me souviens de la barbe, mais pas du nom de l'artiste. Et à la fin, on comprend que toutes les archives du film sont inventées, y compris les photos, etc. Alors, évidemment, on peut voir l'archive comme l'archive des minorités, l'archive des femmes, évidemment, effacée. Donc, il faut tout reconstituer, les trous dans l'histoire, etc. Puis après, il y a, comme dit Monique Wittig, écoute, tu trouves pas, tu te souviens pas, invente. C'est-à-dire le côté performatif de l'archive. Parce que personne n'a la vérité sur l'archive, elle est toujours résiduelle. Les historiens, le couple infernal des historiens et des archivistes depuis le 19e, là, ils vont vous dire s'il y a une découpe, et puis les historiens vont dire il y a la science. Non, elle est toujours incomplète. Mais l'incomplétude nous appartient. Nous, ce qu'on essaye de faire, au-delà de tout ce travail, on va dire classique, d'approche à l'archive, mais qui est poussiéreux, qui généralement est très élitiste, et qui fait que c'est rébarbatif, que personne n'intéresse personne. En fait, l'archive, c'est nous. Vraiment, mon prochain bouquin, c'est le pouls de l'archive, c'est en nous qu'il bat. Ce qu'on fait au collectif, on génère une autre culture de l'archive. On dit à tout le monde, vous êtes un foyer d'archives. On fait des podcasts. Ils ont été écoutés 60 000 fois. Et vous savez quoi ? C'est parce que la mairie ne donnait pas de lieu, ces cochons, ça fait 20 ans. 20 ans que la mairie de Paris, PS, nous refuse le lieu. Ça fait 20 ans, moi, que je suis dans le dossier, quoi. Et bien, du coup, on a fait autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire autrement, qu'il ne faut pas de lieu. Mais on produit, mais littéralement, performativement, la découpe de l'archive ensemble. Et on va se reposer la question, non pas de l'inclusion, mais ah ouais, cette archive, pour l'instant, elle est hyper blanche, quoi. Hein, alors, comment on fait, etc., etc. Mais on essaie de développer des pratiques d'archives, en disant chacun, parce que nous, on fait de la formation. Les gens peuvent apprendre à faire un podcast, à mixer, ils pourraient apprendre à faire du portrait s'ils avaient envie, etc., etc. Donc la question de l'archive, en fait, elle recoupe un peu tout ce qu'on dit, comment devenir les sujets de sa propre histoire, ce qui est, on va dire, le truc qui vient peut-être en premier à l'esprit, mais après, encore une fois, l'archive, c'est pas un truc poussiéreux, quoi. C'est, tout le monde peut en faire. C'est pas réservé aux doctorants, aux masterants, aux savants. Ça, c'est ce que les archives nationales, en particulier en France, je ne connais pas la tradition de l'archive en Suisse, a voulu nous faire croire en nous faisant encore le coup de l'universalisme qui accueille tout le monde et qui exclut tout le monde. Voilà. J'ai donné la parole à Salomé qui souhaitait réagir. Non, je voulais juste, ça va être un peu anachronique, mais du coup réagir à ce qu'Iris disait juste avant sur la forme. Et là, c'est peut-être plus mon expérience de journaliste qui parle, mais une chose toute bête, c'est Victor Hugo qui l'a dit, hein, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et en fait, plus on avance dans la diversité des formes auxquelles on a accès, dans aussi les œuvres d'art et les produits culturels qu'on consomme, et ça passe par les séries, mais ça passe aussi par les photos de Charlotte, quand elle dit que
l'humour n'est pas forcément indissociable du désir. C'est une idée qu'elle amène et qui me paraît être un renouvellement des formes auxquelles on a accès et qui me paraît très important. Dans, je crois que le sous-titre de la table ronde, c'était aussi « Renouveler nos imaginaires ». Et je pense qu'en fait, la diversité des formes passe absolument, enfin nous aide à renouveler nos imaginaires. Et ça, évidemment, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans les coulisses, c'est une question d'argent. C'est aussi à qui on donne l'argent, à qui on permet de produire des formes qui sont pas des formes hégémoniques. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux nouvelles générations qui savent aller aussi chercher et peut-être déplacer leur regard, moi en tout cas en tant que journaliste et la manière dont j'observe la culture, c'est ça qui me réjouit, c'est quand on a aussi d'autres nouvelles formes d'images. Et voilà, je sais qu'il y a aussi plein d'artistes dans la salle, des jeunes artistes qui nous amènent aussi différents types d'images et de formes, et le forme c'est le fond qui remonte à la surface, et ça c'est ce qui me fait plaisir aujourd'hui. Voilà, c'est ce que ça me parce que quand tu dis la perche, voilà, le personnage qui bouge trop vite, c'est exactement ça, et c'est là-dedans je pense que il est l'enjeu pour tous les artistes et producteurs tristes d'idées qu'on est. Et puis on veut des scènes de sexe où on rigole, quoi. Non mais c'est vrai, je sais pas, c'est tellement, enfin je sais pas, moi je ris beaucoup. Non mais il y a quand même toujours des trucs hyper drôles, et c'est vraiment quelque chose qui n'est jamais représenté. C'est-à-dire que quand même les scènes de sexe au cinéma principalement, c'est pas ça, quoi. Mais moi je voudrais juste rajouter que peut-être l'une des réserves que nous devrions avoir, c'est toujours par rapport à l'institution. C'est-à-dire que en réalité nous suivons un cheminement. Et ce cheminement-là, il est quasi obligatoire. C'est-à-dire qu'on commence dans la difficulté, donc dans la marge, et qu'au fur et à mesure, notre désir, c'est que notre travail soit reconnu. Et quand notre travail est reconnu, lorsque nous désirons que notre travail soit reconnu, nous sommes souvent tenus d'entrer dans certains cercles, certains espaces. Et c'est l'entrée dans ces espaces... On a déjà perdu quelque chose quand on a mis le doigt dedans. Et c'est peut-être la chose qui peut-être nous manque, c'est de véritablement toujours créer l'espace qui serait irrécupérable. Et ça passe par vraiment une déconstruction, je dirais décolonisation de nos imaginaires, qui est que c'est pas là qu'il faut qu'on aille. Et ça, c'est difficile parce que dès notre enfance, on est éduqué dans le besoin d'être vu et d'être reconnu. Et il va falloir, je ne sais pas comment lutter contre ça, je ne sais pas. Enfin, cette histoire de reconnaissance, enfin, en Haïti, ils ont foutu la pâtée à Hegel. Hegel était complètement paniqué quand il a écrit cette histoire dialectique maître-esclave, parce qu'il y a eu la révolution en Haïti, la première révolution donc menée et gagnée par les esclaves. Le désir de reconnaissance, oui, il faut qu'on travaille là-dessus, surtout maintenant, puisque pour les bons homos, comme je les appelle, là, les homos incorporated, là, les homos qui font des bébés, qui sont productifs, et qui sont recrutés justement en entreprise, mais très peu, et on sait très bien qui c'est. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la fraction blanche souvent, et puis bon, après, on va prendre, je sais pas, la tapette pour H&M, et puis la bouche bien percée pour le roi Merlin, et puis des noirs par-ci, par-là. Mais c'est ça, le management de la diversité, c'est ça. Je parle de l'entreprise, hein, voilà, c'est ça. Mais tout ça pour dire, regardez comment les LG, les bons homos, sont dans la demande de reconnaissance pour la nation. C'est-à-dire, veulent rentrer dans l'armée. On fait, c'est l'objet de mon bouquin avec la licorne qui pète, parce que ça c'est le sous-titre, transformer un arc-en-ciel en drapeau, déjà, attention. Bien sûr, dans les années 70, on a parlé de lesbian nation, etc. Mais c'était un mouvement de féministes, révolutionnaires, marxistes, enfin, Lyndon Johnson, etc. Ils veulent la reconnaissance, ils sont en amour avec la nation. Mais ça pue, quoi. Je veux dire, le génie lesbien, quand on y réfléchit, je parle du titre, le génie lesbien, c'est une forme d'exceptionnalisme sexuel. Moi, je ne connaissais que le génie du christianisme, personnellement. Enfin, je veux dire par là, le génie de la nation.
Non, les lesbiennes ne sont pas géniales. Évidemment, c'est feel good. Au mieux des rougouines, elles sont géniales. Il y a un génie. Vous croyez vraiment qu'il y a un génie lesbien? On est où là? C'est j'aime, de l'exceptionnalisme j'aime mieux, sexuel. J'aime vraiment mieux qu'on en a beaucoup de temps devant nous avant de parler du bouquin d'Alice Coffin. Non, c'est pas le bouquin. C'est pas le bouquin. Non, mais il nous reste 2 minutes et je trouve ça dangereux de lancer un. Non, je lance pas un débat qu'on va devoir. Non, j'essaie juste de dire attention à l'exceptionnalisme sexuel qui fait que dès que effectivement une minorité commence en plus à choisir l'assimilation. Parce que toi, tu dis qu'il faut lutter contre la reconnaissance. Et si tu fais de la politique verticale et de la politique de parti, immanquablement, on retrouve la problématique que j'évoquais. On va dire la femme, la défense de la femme. Puis après, on va essayer de représenter les minorités. Il y a un lien entre les politiques des identités, les politiques des représentations, et tout ce dont... Représentation au sens de la démocratie, représentative, qui nous fait bien chier aussi depuis le 16e et le 17e. Hein, parce qu'on aurait pu s'organiser autrement politiquement. Et pour faire la boucle avec ce que tu disais, il y a d'autres mouvements féministes, il y a des assemblées. Par exemple, il y a des gens qui fonctionnent au consensus. Le mouvement queer et transféministe en Argentine, à Bologne, ils travaillent autrement. Ils travaillent sur la base de la multitude. Ils travaillent pas sur la base de la politique straight, assimilationniste, en demande éperdue de reconnaissance et de compétition. Parce que qui est reconnu quand vous faites des compétitions, j'arrête. Même récompenser les journalistes, etc., ou faire un concours de beauté. C'est quelque chose qui est dehors de la compétition et non pas de la collectivité. J'ai pas du tout essayé de silencier Sam Boursier. J'arrête. Tiens à préciser. Non, moi j'arrête, j'ai dit. Not guilty. Mais cependant, on me fait signe quand même qu'il nous reste environ moins 15 minutes, je pense. Donc j'aimerais vous poser une dernière toute petite question et je vous demanderai de répondre rapidement. Vous allez toutes y répondre, puis il nous restera un tout petit peu de temps, j'espère, pour les questions du public. J'aimerais juste qu'on termine en vous demandant à chacun et chacune de nous parler en quelques mots d'une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, une pièce, une œuvre picturale, ce que vous voulez, qui a vraiment bouleversé votre imaginaire à vous et votre regard. Salomé, tu veux commencer? Après Salomé, tu peux directement. Il te reste 2 minutes pour réfléchir, Gertie. C'est évidemment tronqué d'en choisir un, puisque ma vie est faite de découvertes littéraires et artistiques au sens large. Peut-être si je le replace vraiment du point de vue de mon livre, qui est ma raison d'être ici, je dirais que c'est Lydia Lunch, Paradoxia, puisque c'était la première fois que j'entendais, que je lisais une prostituée, enfin en tout cas l'expérience de la prostitution, pardon, racontée de la part d'une femme, enfin de par une femme et non pas et par une travailleuse du sexe et non pas par un client qui avec un gaze justement sur la prostituée. Donc ça a été un livre très important pour moi pour comprendre comment une femme pouvait parler de sexualité. Bon, moi je suis encore assez jeune, mais j'ai réfléchi à la question et bizarrement c'est pas quelque chose qui a forcément influencé mon travail, mais je me rappelle qu'à 16 ans, aux rencontres d'Arles, j'avais découvert la projection de Nan Goldin, The Bad of Sexual Dependency, et que ça m'avait tellement mis mal à l'aise que j'étais sortie de la salle, bon j'étais très jeune, et je pense que c'était la première fois que je voyais finalement des images de violence, mais qui étaient dans de l'intimité, qui n'étaient pas dans quelque chose de l'ordre du spectaculaire, et qui étaient forcément dans l'intime, le couple, et du point de vue d'une femme. Et donc voilà, je ne dirais pas que ça a forcément influencé mon travail, parce qu'il est très très loin de tout ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a marquée, quoi. Je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir avec mon travail. C'est les cheminées de Valentine Schlegel, qui est une artiste qui est morte cette année, qui faisait des sculptures. J'ai découvert parce qu'elle prenait en photo Agnès Varda, qui était sa meilleure amie de ses années à 7, puis après qui est venue s'installer dans la rue où Varda habitait. En fait, c'est vraiment par les portraits de Varda, qui est une cinéaste qui aussi m'a beaucoup influencée, que j'ai découvert le travail de Valentine Schlegel, et je me suis dit que, je sais pas, qu'il y avait vraiment quelque chose à toujours repenser, voilà, son espace, et j'adorerais avoir une de ses cheminées, et j'ai lu dans Le Monde qu'un couple qui avait une de ses cheminées l'avait détruite, ne sachant pas que c'était une de ses cheminées à elle, mais voilà, repenser les espaces où on crée, quoi, et aussi les liens d'amitié. J'ai trop parlé. Non. Ah,
Les films de festival. Les festivals. Il est obligé d'en donner plusieurs, ouais. C'est pas possible. Quoi ? Il est obligé d'en donner plusieurs, c'est dingue. Un film. Non, mais les je veux dire, quand on le film de festival, quand on va le voir. Baise-moi, qui alors m'était pas du tout destiné, qui moi m'a complètement retourné sur l'histoire du post-porn, alors que c'était fait par une réalisatrice totalement hétéro à l'époque. Et Virgin Machine de Monica Troitt, qui est vraiment pour moi le film des années 90, avec une espèce de Bildungsroman d'une héroïne, enfin d'une femme allemande, qui va à San Francisco et où là c'est gender fucking à tous les étages. Merci. Moi je suis trop vieille pour me rappeler quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon. Et qu'il est trop vieille pour se rappeler de quoi que ce soit. Pas vrai, ça. On peut pas terminer là-dessus, je suis vraiment pas d'accord en fait. Non, je te jure, vraiment rien. Il y a rien qui me vient. Rien. Vraiment. On reste sur Alice Guy alors. C'est une recommandation que tu veux faire au public. Alice Guy, voilà. Regardez Alice Guy. Regardez tout ce qu'a fait Alice Guy et qu'on peut trouver. Merci. Et regardez le film sur Alice Guy qui a été fait par des Américains. Ça, le documentaire s'appelle Be Natural de Pamela Green, puisque Alice Guy est la première à avoir dit aux acteurs Be Natural, soyez naturel. Elle a tout inventé. Merci de m'avoir sauvée. Merci à toutes et tous. On a un petit moment pour les questions du public. Je prends le micro, ça c'est bon. Merci. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce que quelqu'un a une question ? Pour Gertie, on s'est croisés pour la licorne et la traduction l'autre fois. C'est pas que t'es si vieille, parce qu'on m'a appris un truc récemment que je voulais te transmettre. Tu es jeune depuis plus longtemps. T'es pas si vieille, t'es jeune depuis plus longtemps. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Tu me rassures, c'est pas une question. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait encore poser une question ? Allez, des critiques. Des oscillations, peut-être ? Des glissements. Joyeux. Bon, l'équipe. Non, personne. Non, mais ça peut être des commentaires. Si vous ne sentez pas... Non, mais... Souvent... Si, encore moins, peut-être. Tu disais... Sur l'optimisme sur la jeunesse et qui change, mais moi je dis faites toujours attention parce que oui, une certaine jeunesse elle change, mais après tu peux passer dans la banlieue, avoir certains commentaires. Il y a eu des reportages sur le couple hétéro dans certaines. Ça me fait toujours bizarre de dire banlieue pour Genève, mais bon, banlieue genevoise, c'est complètement un truc d'un autre âge avec des super machos. Et là, tu vois pas quelque chose qui bouge. Dépente, quand elle est venue la dernière fois, elle a dit un truc que je trouvais hyper dangereux, parce qu'elle a dit qu'on avait tué le patriarcat et que c'était bon. Et je me dis, mais dans un certain milieu, c'est génial. Elle a vraiment dit mais, ça ? Oui, elle a, dans la conférence, elle a dit que elle c'était... Elle a dit que le patriarcat avait peur et qu'il n'avait jamais eu aussi peur. Que ah, ça, c'est vrai. Elle a dit ça, mais elle a, aussi la même chose. Elle a aussi dit qu'il tombait. Et je veux dire, si tu vas dans certains milieux, mais on est loin d'avoir avancé. Cette histoire de se faire piquer à la seringue dans des soirées avec des drogues, je trouve ça, que... Ça, c'est pas en banlieue, hein. C'est dans l'hypercentre. C'est pas en banlieue. C'est dans les hypercentres. Et je dis que quand il y a des grandes avancées comme ça, il y a aussi des monstres retenus dans l'autre sens, et d'être toujours attentif à ça, parce que ouais, moi je trouve ça toujours un peu dangereux de dire que waouh, ça bouge, et... mais en fait il y a plein d'endroits où ça bouge pas du tout, ou carrément ça régresse aussi, quoi. Merci pour cette question. Moi je suis tout à fait d'accord avec Virginie Despentes. Si ce qu'elle a effectivement dit, c'est que le patriarcat est en train de trembler comme une feuille, je partage vraiment ce point de vue et cette observation. Je pense qu'il s'effrite. Mais moi je suis vraiment une personne très pessimiste pour le coup, avec un regard assez négatif sur les choses, même si ça se sent pas. Donc quand je dis que je suis optimiste quand je vois la jeune génération, j'ai parfaitement conscience qu'elle est extrêmement hétérogène et qu'on est par ailleurs en plein backlash, qu'il est très violent.
Et qu'au sein de cette génération, comme de toutes les générations, cohabite, je pense, une énergie militante et une conscience collective très forte, avec en parallèle aussi un endormissement absolu, voire même un regain de patriarcat très violent. Je le pense vraiment. Mais par contre, là où la personne très pessimiste que je suis arrive à trouver de l'énergie en regardant les ados d'aujourd'hui, ce qui me sidère et qui me fascine et que j'adore, qui m'énergise en fait, c'est vraiment la rapidité avec laquelle des actions sont menées en fait par cette génération. Et ça, je trouve ça dingue. Et même si Gerti nous a signalé qu'on était des ados et qu'on est, je le rappelle, des femmes adultes, on n'est pas si vieilles, mais non, je plaisante, Gerti. Mais néanmoins, moi, j'étais ado il n'y a pas non plus 10 000 ans. Et honnêtement, c'était pas du tout comme ça, quoi. On ne s'activait pas du tout avec autant de réactivité. On montait pas des actions aussi rapidement. Et quand on en montait, elles n'avaient pas du tout cet impact-là. Donc ça, je trouve ça très énergisant. Et moi, en tant que féministe, ça me donne beaucoup de force. Ouais. Moi, je voudrais juste... Je le dis de la manière la plus douce possible, mais les quartiers dont vous parlez, c'est souvent des quartiers qui sont pauvres. Et partout, il y a des quartiers pauvres, il y a des personnes en situation de minorité. Et il n'y a pas du tout autant... Enfin, c'est pas du tout autant monolithique que ce que vous laissez entendre. Et de la violence machiste, il y en a dans tous les milieux, il y en a dans toutes les zones démographiques. La banlieue, c'est pas un terme qui est objectif en termes socio-culturels. C'est un terme qui est assez péjoratif aujourd'hui et qui, je pense, apporte à confusion. Et il y a des pépites absolument humaines, intellectuelles, artistiques dans tous les quartiers. Et je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à la manière dont on délimite en fait ces espaces de violence, parce qu'en fait, on alimente tout un discours qui nous fait du tort à toutes et à tous. Et d'autant plus dans les reportages. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est juste qu'il faut qu'on fasse attention aussi où est-ce qu'on plaque nos idées, parce que en fait on perpétue aussi des préjugés et des biais qui ensuite créent des dommages pour tout le monde. Quand j'ai entendu ça, ça me titille toujours. Je me dis, de toute façon, on doit être positif, sinon on laisse tomber, c'est pas la peine. Mais d'être aussi attentive à toutes ces forces contraires qui luttent, quoi, en fait. Et quand on parle juste du côté que ça avance bien, bah, c'est comme si on dit ces forces contraires qui luttent. C'était juste ça que je voulais souligner. Oui, je pense y avoir répondu, en effet, mais je comprends la question très bien. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus de questions? Alors, merci beaucoup à vous pour cette superbe discussion. Et merci pour votre présence ce soir. Bonne soirée. Oh, on va t'en poser des questions.